Le macaque japonais est un singe catarinien de la famille des Cercopithecidae. Le macaque japonais a été appelé « singe des neiges ». C'est le plus robuste et le plus lourd des macaques. Il arbore un pelage dans les tons de brun et de gris sur la partie dorsale et la tête, et dans les teintes beige ou sable sur le ventre. La fourrure est épaisse et en hiver, sa densité augmente à mesure que les températures chutent. Les poils sont généralement plus longs sur les épaules, le dos et les bras, et moins fournis sur la poitrine et le ventre. La queue quasi inexistante est une adaptation physiologique au froid, pour éviter qu'elle ne gèle. La face est rosâtre ou rouge parfois chez les sujets plus âgés, ainsi que le fessier exempt de callosité, dont le cramoisi s'accentue chez la femelle lors de la période de reproduction. Les yeux sont surmontés d'une arcade sourcilière proéminente particulièrement développée chez le mâle. Il possède une excellente vue en relief et est capable d'évaluer les distances. C'est un singe aux membres puissants, aussi agile au sol où il se déplace en position quadrupède que dans les arbres. C'est également un excellent nageur. Le macaque japonais est le singe le plus septentrional de la planète. Il fréquente les forêts mixtes de feuillus et de conifères des montagnes du Japon à proximité des sources thermales indispensables à sa survie en hiver. On le trouve surtout sur les îles de Honshu. Le macaque japonais est un singe grégaire et social qui vit en bande de plusieurs dizaines d'individus selon un régime matrilinéaire. Grâce à une adaptation spécifique unique dans le monde animal, il est capable de supporter des températures pouvant descendre jusqu'à moins 20 degrés centigrades. Mais pour lutter encore plus efficacement contre le froid, il a choisi de vivre à proximité des sources thermales d'eau chaude dont la température est de 40 à 60 degrés, dans lesquelles il se plonge avec délectation dès que la température extérieure chute en dessous des 5 degrés. Il peut passer en quelques secondes de l'eau brûlante à l'air glacial sans s'en ressentir. Il doit cette prouesse à son poil épais qui n'est humide qu'en surface et qui sèche très rapidement, ce qui permet au singe de ne pas perdre sa chaleur corporelle interne. C'est un singe diurne qui passe le plus clair de son temps à chercher de la nourriture. La nuit, pour se réchauffer, il se regroupe avec quelques congénères dans un arbre ou derrière une souche, sous un creux de rocher et ils se serrent les uns contre les autres. Lorsqu'il est en mouvement ou lorsqu'il s'alimente, le primate émet des sortes de roucoulements qui sont destinés à maintenir la cohésion du groupe et à renforcer les liens sociaux de la même façon que le toilettage. La gamme de vocalisation est très étendue et leur sonorité varie selon le milieu dans lequel vit le singe et selon le groupe auquel il appartient. Le macaque japonais règle les conflits mineurs par des cris et des mimiques. Ses comportements sont différents selon l'âge de l'animal, son sexe et sa position dans le groupe. Reproduction du macaque japonais. La femelle du macaque japonais marque ses préférences et ne se dirige pas toujours vers le mâle dominant pour s'accoupler. La période de reproduction a lieu en automne et les naissances s'étalent d'avril à juillet avec une pointe en mai, après une gestation de 5 à 6 mois. La femelle donne naissance à un jeune unique qui pèse moins de 500 grammes. Les premiers temps, le bébé reste collé à sa mère et tête presque en permanence. Sa mère le serre contre elle et l'emmène dans tous ses déplacements. Lorsqu'il grandit, il s'assied à califourchon sur son dos en s'agrippant à ses poils. En avançant en âge, il s'enhardit et commence à s'éloigner progressivement de sa mère. Il n'est totalement sevré qu'au bout de 2 ans, et reste dépendant de sa mère pendant encore quelques mois.
Le père participe à l'éducation du petit, qui atteint sa maturité sexuelle au bout de 3 ans et demi. Le macaque japonais est omnivore, et même s'il mange également des insectes, des œufs et des champignons, il se nourrit surtout de fruits, de feuilles, de bourgeons, de graines, de fleurs, d'écorces et de racines. Mais de plus en plus, son habitat étant grignoté par les activités humaines, il se risque dans les champs ou les jardins des particuliers. Bien que nourris par les gardes des parcs nationaux en hiver, les diverses populations de macaques japonais sont menacées principalement par la perte de leur habitat et la famine. L'abattage des arbres leur procurant la nourriture et leur remplacement par des essences destinées au bois d'œuvre ne leur permet plus de trouver leur subsistance en suffisance dans leur milieu naturel. En hiver, certaines troupes de macaques japonais se nourrissent de larves d'insectes qu'ils trouvent collées sous les rochers, dans les torrents, comme des larves de perles et de frigans, par exemple. Cela leur assure un apport important en protéines et leur permet de supporter le froid de l'hiver. Les singes apprennent à leurs enfants à se nourrir de cette façon. Les macaques de l'île de Quincasan, qui vivent plus près de la mer, ont l'habitude de descendre sur les rochers, à marée basse, pour manger des algues, riches en sels minéraux. Certains complètent ce régime alimentaire en mangeant quelques coquillages, riches en protéines. De même que les ours, ils commencent à investir les campagnes et les villes pour trouver de quoi survivre. Certains ont même été retrouvés en train de se réchauffer dans des spas. Les efforts de maintien des primates dans leur environnement à proximité des sources chaudes, par le nourrissage, ont provoqué une augmentation artificielle des populations dans ces secteurs, qui commence à poser problème. La sous-espèce de l'île de Yakushima est considérée comme étant en danger. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.